Bonjour, c'est Arcadien, on se retrouve aujourd'hui sur Star Trekker pour une deuxième fois, une deuxième petite démonstration de gameplay, toujours sur Xbox Series X. Alors je suis sur ma deuxième partie puisque j'ai fait une partie, j'ai joué 8 heures en tout, plus que quelques heures de test, comme ça, pour essayer des trucs. Donc les premières 4 heures en fait, quand je vous ai présenté la vidéo, j'ai continué. Et en fait, le problème c'est que je me suis un peu perdu dans le jeu. C'est-à-dire que je me suis trop concentré sur les missions des PNJ, j'ai oublié le principal, c'est de faire les livraisons. Et j'avais pas assez de sous, j'avais du mal à gérer mon camion, hein, parce que comme vous savez, il faut gérer tout ce qui est énergie du camion pour survivre tranquillement, donc il faut des sous. Et donc j'ai recommencé, et écoutez, là ça va mieux, sachant que c'est toujours un peu difficile, tout simplement parce qu'en fait il y a un petit problème d'équilibre. Que ce soit en mode recommandé, si ceux qui veulent essayer en mode difficile ou extrême, alors là je pense que c'est injouable. Il y a un petit problème d'équilibre avec justement tout ce qui est énergie du camion, puisque ça se vide un peu trop vite. Donc ça, ils vont y revoir, il n'y a pas de souci. Les joueurs l'ont bien dit et les développeurs ont confirmé, oui, il y a un petit problème d'équilibre, donc ça va être corrigé. Il y aura aussi, ils vont essayer d'implanter l'OTAS hein, pour les versions PC. Je ne sais pas si un OTAS marche sur une Xbox Series X. Ils y jouent dans leur studio, mais pour l'instant il y a encore pas mal de tests à faire. Aujourd'hui ils ont encore communiqué ce 11 septembre, donc il y aura des petits cosmétiques là, qui vont intégrer bientôt, des petits livrets, tout ça, bon, ça permet de les financer un petit peu, et ils vont faire une roadmap après pour voir ce qu'il y aura à rajouter, de l'ajout, du contenu, tout ça, donc le jeu sera suivi, et bien sûr d'autres corrections au niveau des missions, tout ça. Par contre, je peux vous dire qu'il n'y a aucun bug, je n'ai aucun crash, je n'ai aucun bug de mur invisible, ça a été corrigé, il y en a qui en avaient eu, ils ont montré ça en vidéo sur Twitter, ils ont corrigé direct, hein, on a eu une petite mise à jour il n'y a pas longtemps, le deuxième jour je crois, mais franchement il tourne très bien, il n'y a aucun problème, il y a juste ce petit problème d'équilibre, en fait il suffit de créer une partie personnalisée, moi je ne l'ai pas fait, je vous le relancer comme ça, et vous baissez l'écran, vous allez dans les paramètres, cran énergie, les piles, les machins, les filtres, vous baissez d'un cran, vous mettez faible, et puis voilà, et là vous roulez tranquillement, enfin vous volez tranquillement, mais il y aura toujours une petite difficulté. Allez, moi ce qu'on va faire, on va charger la partie et je vais vous amener à un endroit. Alors j'ai un petit truc à faire avant, hein. Il va falloir que je bosse un petit peu. Donc là on a Tangdon me semble-t-il, on verra la map tout à l'heure. Donc là on est une sorte de nébuleuse, dans une nébuleuse violette, hein. Ça fait penser un peu à la nébuleuse d'Orion. Elle ressemble un peu à ça pour ceux qui connaissent Elite Dangerous. Hop, alors comme vous pouvez le voir là, ça s'est bien vidé, donc on va déjà remplacer l'oxygène. Ça sera pas un mal. Alors on va fermer. Alors on met nos petites boîtes comme ça et on ouvre comme ça les coince au cas de choc, tout ça, les trucs volent pas. Alors on va mettre l'oxygène. Alors normalement soit on met une pile bleue, vaut mieux mettre une pile verte. Il y a plus d'énergie, mais bon c'est pas bien grave. Donc hop, on la change tout de suite, on n'attend pas. Voilà. Ça, on pourrait y revendre. Faut les laisser dehors, hein. Faut pas les mettre dans le. Parce que sinon, je ne vais pas les revendre quand ils sont dans les caisses. On va changer le CCU. La petite carte électrique là. Ça, là. Par contre, c'est le climat. On va désactiver parce que sinon. Hop. On va se prendre un court jus. Alors le climat en fait c'est la température. Et là je vais vous montrer. Je vais pas réactiver sur mon tableau. Je vais pas le réactiver, vous allez voir. À un moment j'aurai une petite alerte. On va pas attendre trop longtemps. Hein. Donc là, hop, l'oxygène c'est bon. On va changer la gravité. Pile de la gravité. Ça on va y fermer. On va y remettre. Ouais, ça c'est les piles vertes, je vais dû prendre celle-là pour l'oxygène, ça dure plus longtemps. Ouais, c'est vrai qu'elle se vide assez vite, hein. Donc c'est pas évident à gérer. Voilà, là j'ai une alarme, vous voyez, bon, il me le met comme ça. Tout simplement parce qu'il va commencer à faire froid, et je vais vous montrer ici. La température, regardez, je suis déjà à moins 3. Alors ça, le chauffage, tout ça, il faut y faire attention, hein. Ça fonctionne. Donc là je vais rallumer et voilà. Le scaphandre je désactive parce qu'une fois qu'il est chargé j'ai pas besoin que ça soit activé. Et donc on a dit ça et on va changer les deux piles ici.
Là, vous voyez, il ne va plus me rester beaucoup. Non, celle-là, elle est déjà bien entamée. Je l'avais laissée en code pépin. Avec moi. Ah, c'est celle-là que j'aurais dû mettre dans l'oxygène. C'est pas vrai. De toute façon, je reprendais au pire ma partie ici. Donc là, on est pas mal. On est très bien. Donc, on range tout. Et je vais changer mon filtre aussi. Je vais vous montrer. Donc les filtres, on en a deux à la base. Et donc moi j'en avais racheté un, puis j'en avais trouvé un à un endroit, je vous explique comment ça se passe. En fait, vous avez des balises, c'est symbolisé par un petit logo, un œil. Donc vous descendez de votre camion, enfin vous sortez de votre camion avec le scaphandre, puis vous allez ramasser ce que vous trouvez. Je suis tombé sur un filtre. Un filtre, on n'en trouve pas surtout dans tous les magasins. Et c'est 2500 crédits. On peut en avoir à 2000 crédits, mais je n'en ai pas encore eu. Et ça coûte très cher. Donc pour l'instant, on a 5. Oh là, on a 50%. Celui-là, il va. Je vais le changer. Je vais regarder où c'est. Je vais le prendre. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, donc bah, autant le changer. Parce que... Donc les filtres, en fait, ça peut faire bugger l'oxygène. Même si votre oxygène est pleine, la cellule. Et bah, je suis mort comme ça. J'avais plus de filtre, tout simplement. On va quand même faire le tour. Il y a plein de petits trucs comme ça. Bon, les filtres durent un peu plus longtemps. Et vous voyez, déjà celui-là, il a 54%. Donc on va changer celui-là. Voilà, on est pas mal. Donc les objets, hein, on les laisse traîner comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une pile que je pourrais garder qui est pas trop... Ouais, non, elle a 20, 14... 37, celle-là, je vais la garder au cas où. Alors, va falloir que j'achète des piles. Hop. Alors, pour aller au magasin, lorsque vous connectez au magasin, vous accrochez à votre camion, vous y êtes directement. Après, on peut plus y accéder. Mais en fait, c'est là. Hein. Vous récupérez vos trucs, vous fermez la porte. Et voilà, pour accéder au magasin ici. Donc ça, je vais y vendre. Tac. Tac. Tac, tac. Donc j'en ai pas. Tac. Alors normalement, j'ai vendu un filtre. Là, vous voyez qu'il n'y en a pas de filtre. C'est un peu comme une consigne. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est que normalement, peut-être, on pourra retrouver le filtre ici. Mais je suis pas sûr. Parce que des filtres, c'est ça que je comprends pas. On n'en trouve pas. Normalement, alors, c'est ça le problème. C'est qu'il y a les gens, les joueurs, on se dit, mais je comprends pas pourquoi on n'a rien pour recharger nos piles. En fait, je pense que c'est les magasins qui rechargent les piles. Et là, si on revient dans un jour, deux jours, on va peut-être retrouver, bah, j'ai vendu deux piles bleues, une pile jaune et le filtre. Alors, est-ce que je retrouverai mon filtre ici? Je ne sais pas. Ça, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Donc, ce que je vais faire, j'ai 7000, je vais prendre une pile, une pile. Les CCU, j'en ai assez. Ça, c'est l'essence. Je vous montrerai, on la met. Allez, j'achète ça, parce qu'on a plus que ça. Et on les... on les récupère ici. Mais de toute façon, j'ai bien peur qu'après, ça va vite se vider. On les range bien dans nos caisses, comme ça, elles ne s'abîment pas. Parce que vous avez le truc vert, c'est la durabilité de la pile, en fait, au niveau... Et moi, elles sont usées. Je parle pas du truc bleu, hein, du trait bleu, du truc vert. Pour moi, elles sont usées... On peut les vendre un peu plus cher. Je les ai pas vendu combien. Hein. Donc là, il met un petit machin parce que tout simplement parce que je vais pas activer le scaphandre, je vais pas l'activer. Donc est-ce qu'on est bon, Tintin? Donc mince, ah, je trompe toujours pour zoomer. Voilà, bon là par contre le truc se baisse, mais il y a encore le temps. Là je vais éteindre la lumière, pas besoin. Alors est-ce que ça joue Alors là c'est, vous voyez, je peux monter le chauffage. Et là le chauffage va. Ah, je me trompe toujours de bouton pour zoomer. Et très chaud, il augmente petit à petit. Voilà, on va pas mettre très chaud, vous allez vite comprendre pourquoi. On va mettre moyen et moyen. Voilà, sinon, il était là, le klaxon. Et puis c'est tout. Voilà, on a le régulateur vitesse que je vais montrer. Les phares, je les allume pas. Je sais pas si ça joue sur la consommation du. Mais je les allume pas toujours. Un camion allumé, c'est joli, mais bon. Par contre, je vais peut-être remettre de l'essence, du carburant. Allez, on va voir. On va faire attention parce qu'il y a du trafic. Ou allez, on va aller directement. Ouais, non, je vais mettre de l'essence. Et puis.
j'ai des sous. Donc pour venir là, hein, j'ai fait deux boulots. Pardon, la carte elle est là. Donc j'étais à ici, j'ai fait une livraison à Medusa. Et Medusa, il n'y avait rien qu'à Emerald ou à Junk Fields. Donc j'ai trouvé une mission à Emerald pour aller juste à Tech Dawn. Donc ça m'a fait 4000 hein, en tout. Donc j'essaye voilà, de faire des missions en allant à l'endroit indiqué par les PNJ. Après, les missions des PNJ, vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite. Hein, prenez le temps. Hein. Et en fait, c'est là. On sait où on en est ici. Voilà, donc moi, je vais faire celle-ci. Donc il y en a qui feront peut-être une autre et qui débloqueront un autre endroit sur la carte. Donc nous, on va débloquer en haut. Je vais à Tank Town et on va débloquer à droite. Vous allez y voir. Et on va aller à un endroit un peu plus compliqué. Hostile, voilà. Alors ça me fait penser un peu aux jeux de plateforme aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des jeux d'aventure, vous avez toujours un monde super joli au début, bah comme vous l'avez vu au début de la première vidéo que j'avais faite, la belle planète, c'est tout bleu, tout ça, c'est sublime. Après, bah, on voyage un peu toujours dans le même système. Donc là, il y a du violet, il y a du vert, tout ça. Et dans les jeux de plateforme, bah, vous avez un monde de feu, un monde de glace, un monde de tempête, un monde. Et c'est un peu pareil. Voilà. On va le voir ensemble. Alors, il faut savoir qu'après 2 heures de jeu, à peu près, pour réparer votre coque, ben, ça sera plus gratuit. Voilà, ils vous le disent. Donc, tant que vous pouvez. Et moi, là, je suis à. Hop. L'intégrité, ben, je suis bien. Alors là, ça clignote parce que tout simplement, parce que j'ai désactivé le scaphandre. Ça ne folle pas. Et là, on va aller voir Candy. On va se rendre, c'est à côté, là c'est pas loin. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, attends, ouais, parce que je suis passé à côté, et puis elle m'a enlevé mon repère. Attends. C'était où déjà? Mince! Ah là-bas. Truc jaune. Donc oui, alors des fois on peut trouver des petites balises, hein, et puis ben. Récupérer des marchandises, j'avais récupéré des stupéfiants. Alors j'ai vite vendu à un magasin parce que des fois, une fois sur quatre, on se fait arrêter après le saut par la police s'ils trouvent des stupéfiants. Alors on va prendre cher, je pense. J'avais pas vendu beaucoup, bien cher. Hein. Alors vous avez vu, hein, on en parlait justement avec un joueur qui était venu sur la vidéo, c'est Ludo, je crois. Et on peut acheter, vous avez vu, différents fournitures. Essayer de les revendre un peu plus cher dans d'autres magasins, mais bon, ça rapporte pas beaucoup, quoi. Et franchement, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça. Donc j'ai tout vendu, les bouteilles de gorge, tout ce que c'était. Là, on va se mettre là et vous allez voir ce qu'elle va. Donc je vais avoir une nouvelle amélioration. Pourquoi ça n'a pas pris? Ah mince, oh là là, puis c'est inversé. Voilà, c'est bon. Oh, temps de travailler là. Là, vous voyez, il y a Red qui m'appelle pour faire encore un autre truc. Et là, ça y est, Candy. Donc, utilisez le huet des volets situés au-dessus de la tête pour fermer les volets des vitres de votre cabine. Les volets sont une protection supplémentaire et ils sont cruciaux pour empêcher les variations de température extrême et brutales au niveau de votre cabine. Une fois les volets fermés, utilisez le moniteur pour poursuivre votre route afin d'éviter d'être en retard pour votre livraison. Alors bien sûr, on peut utiliser aussi la vue extérieure. Et là, eh ben écoutez, fermez le volet du camion, donc c'est ici. Voilà. Alors excellent, bien, tu sais à quoi ils servent pour vrai. Ils m'évitent de se transformer en popcorn, oui. From getting too hot during solar storms. And by too hot, I mean hot enough to immolate stuff. Well now, sounds like Lucky Jay got a pretty big fix today. Hey, you been reading the mail this whole time, B? Most of my job is listening to you all chat. Ah ouais, les volets sont fermés, on y va. The whole time. Anyway, Lucky Jay, I'm officially pour mettre le carburant, au cas où on laisse parler, hein. Pour mettre le carburant, ouais. Ah, alors voilà, je viens de débloquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nouvelles zones. Voilà, elles sont au-dessus, là, à droite et un peu au-dessus.
Le carburant, il est là-bas au milieu, vous voyez, entre les deux réacteurs. Donc vous descendez avec votre petite bonbonne. Alors à savoir que la bonbonne, vous remplissez pas la totalité du réservoir. Vous enlevez le bouchon, hein, vous le perdez pas dans l'espace, puis vous le remettez. Puis voilà. Alors, il faut lui répondre. Alors je vais faire une mission pour avoir rien de rapporté. Par contre, vous allez voir, regardez bien les jauges, elles ont l'air de bien aller pour l'instant. Ah, alors attends. Ouais, bah là j'ai un filtre qui... Mais tant pis, hein, pas grave. Ça va aller. Alors par contre, on va... Allez, c'est parti, ça sent la boulette. Festival de boulettes, c'est parti. Donc là, elle me dit d'aller me rendre à... donc j'ai un autre saut à faire. On va y aller directement comme ça. De toute façon, j'ai une livraison, elle m'a demandé de faire une livraison là-bas. Donc ça sert à rien que j'en fasse une là. Puis je connais pas bien le secteur. Donc je vous conseille de mettre de la crème solaire. Protection 100. Vos lunettes de soleil, un bob, une casquette, ce que vous voulez. Parce qu'il va faire très chaud. On va faire attention de ne pas se prendre. Donc là, on va déjà placer la caméra. De face. Ah, c'est un jeu, hein, il faut prendre le temps. Alors bien sûr, après, une fois qu'on a tout fini, les quêtes des PNJ, après c'est à vous de trouver ce que vous voulez faire. Donc il y a des succès à débloquer, tout ça. Survivre le plus longtemps. Alors c'est comme les autres jeux de camion, après il faut se fixer des buts. Hein. Mais là au moins il y a voilà, il y a un petit côté on va dire scénarisé, c'est sympa. Il faut pas trop s'y perdre non plus. Ah ben je crois que c'était sur le côté. Il n'y a personne derrière là, il n'y a pas de rétro. Là. On va redresser le bousin. Ah oui, j'ai changé les livreurs. C'était juste une mission précédente. Donc vous avez plusieurs livrets. Alors il y en a qui se débloquent suivant les missions que vous avez faites, suivant votre niveau, il me semble. Vous pouvez changer la couleur de la peinture, sinon et la texture. Allez, go, c'est parti. On va préparer le volet. Et voilà, allez go. On ferme le volet, on freine, on va mettre un peu plus froid, très froid. Donc là, à l'intérieur, il faisait déjà 40 degrés, la ventilation élevée, et là, la température extérieure, elle monte, à, là, elle commence à descendre, à 1600 degrés. Et là, ça commence à baisser, mais très légèrement. On va mettre la vue extérieure, bon, on voit strictement rien. On va s'arrêter parce que c'est vraiment pas évident de... Bah, si on se prend des chocs, tant pis. Hein. Je dirais. Ah mince, attends, il y a le panneau là. Wow. Je baisse la tête comme si j'étais dans le camion. Bon, attends, on va s'arrêter parce que je vois strictement rien. Oh là là. Oh voilà. Ah lui, il m'a pas vu du tout. Là. Et ben voilà, un peu plus je peux pas sortir. Je vous avais dit que ça allait avoir des trucs, il allait se passer des trucs. Allez, c'est pas grave. Oh, ce travail. C'est vraiment pas évident de... En plus, il y a plein de débris là. Faut vraiment faire très attention. Donc ça y est, la tempête solaire est passée. Donc ça reviendra, hein. De toute façon, c'est très bien. Alors moi, hop. Alors, il fait combien dehors, là? Il fait combien? Attends, ah, je trompe. Ouais, je vais peut-être pas sortir.
Allez, je tente une sortie. On va s'amuser un peu, hein. Alors là, j'ai tout éteint, mais c'est pas grave. Je vais boucher les trous, là. Non, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous voyez un peu comment que ça se passe. Alors, c'est où que j'ai tapé? Il m'a tapé derrière, hein. Hop, il m'a tapé derrière. Allez, ben c'est ça. Donc là, la peinture, hein, elle commence à prendre cher, alors qu'elle était toute neuve tout à l'heure. Voilà, voilà. Alors maintenant, j'ai une alerte, hein, quand il y a une tempête solaire. J'espère qu'elle va pas arriver tout de suite. Là, j'ai encore de la chance parce que... Ce qui est bien, que, ouais, quand on fait des vidéos, tout le monde le dira, ça se passe jamais comme on voudrait. Et là, je peux pas tricher. Là, je suis sur, j'enregistre avec sur Twitch, alors pas faire de montage. On en fait jamais. Hein. On se loupe. Pour montrer quand même que tout peut arriver dans l'espace. Donc j'ai encore un saut à faire. On va y aller. Hein. On verra là-bas si, si on trouve un magasin, au pire pour essayer de tenter de trouver un filtre. Mais... Après, bon, j'en ai déjà trois qui font. C'est pas évident de voir les débris en fait. Faut le petit coup d'œil, mais. Alors mon intégrité là. Ah bah voilà. Ah bah là on voit pas. Ah bah j'ai bouffé cher, hein. J'ai plus rien. En fait, j'ai bousillé 2000 crédits pour... Alors ça aussi, hein, si vous faites une partie personnalisée, vous pouvez baisser... Ouais, c'est trop compliqué, là. Vous pouvez baisser les frais des... C'est une catastrophe. Oh là 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 là, je vois rien du tout. C'est à ce moment-là, à partir de là, que je n'y arrive pas. Plus rien ne voit à ce moment-là, là, plus rien ne voit. Peut-être que je vais trop vite aussi voir la vidéo. Oh là là, c'est pas vrai. Normalement 3, je devrais y arriver, ça va pas trop me vider, ça va me vider un peu l'énergie, mais je devrais y arriver. Allez faire les 3. J'ai rebondi. Comme je dis, hein, au niveau gameplay, tout marche correctement. Hein. Ça fait le boulot, hein, ça fait le café. Pas de soucis. Voilà. Oh, un coq. Je suis désastré. Dévasté. Désastré. Je peux plus parler. Hop. Chargé. Allez. Copain qui arrive là. Je vais essayer de m'infiltrer. Il va encore m'arriver un truc, tu vas voir. Je vais peut-être pas me laisser passer. Quoi, quoi. Je vais mettre la caméra. Oh là là.
Pas bien là. J'arrive mieux avec la vue à l'intérieur. Sortons de cet enfer pour y retourner. Ah bah ouais, mais c'est tout par là. Allez. Tiens, je vais laisser très froid. Là, il met un petit rouge pour me dire, ben, mettez la caméra ici. Merde, que dalle. C'est vrai qu'on triche un petit peu. Donc, récupérer là, faut que je récupère la marchandise. Ça va, pas trop chaud. Donc, la température elle augmente. Ah, ben, elle baisse, ça y est. Je suis à 10 degrés, j'ai bien mis assez froid. On va prendre un rhume, déjà qu'il commence à faire froid là, en vrai. On y va tranquille. Hein. Alors, j'ai vu un français, il a une version PC lui. Et il fait des let's play. Alors j'ai oublié son nom. Ouais, il se débrouille bien. Bon, il a refait une partie personnalisée. Mais ouais. Mais lui il est pas au même endroit que moi, il n'a pas fait ça encore. Lui il a été dans un autre endroit. Un peu plus hostile aussi. Alors on va se placer. Je vais rien gagner avec cette livraison, hein, il me semble. J'avais déjà essayé une fois, tenté. Mince, moi je fais n'importe quoi. Je fais comme ça, moi, hop, je place déjà mon petit curseur sur le levier. Bon, ça va mieux, ça va. Non, non. Voilà. Ah, on en est où là? Toujours le filtre. Mais ça va, les autres ils sont bons, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais vous voyez, ça commence à baisser petit à petit. Hein. J'écoute pas trop ce qu'il dit. On va mettre le chauffage. Bon, le scaphandre, la pile se vide, c'est pas grave. On va mettre le régulateur de vitesse. Pas la peine d'aller trop vite. Regardez-moi tous ces déchets, ces cailloux. Hop. Je vais prendre un truc. Ah, température moyenne à l'intérieur, ça n'a pas l'air de trop bouger. Par contre, ça doit bouffer mes filtres, ça. Non, ça a l'air d'aller. Hein. 99% celui-là que je viens de changer, ça. Surprenant. On va essayer de jouer avec la caméra. Qu'on puisse pas bloquer la vue, le zoom là, ça va être plus simple. Ah, c'est le camion qui m'a rentré dedans quoi, qui m'a pourri la coque. Hein. Parce que même si vous tapez des petits cailloux, ça l'abîme mais pas trop. Ah oui, j'avais amélioré hein, dès le début. Ah, vous voyez là, il y a une balise, mais je vais pas sortir. Là, je vais vous montrer quand même. Alors, elle est où, la coquine? Écoutez, on va tenter. Oh, de toute façon, on est là pour jouer. Hein. Je vais vous montrer. Et oui, donc j'avais amélioré un peu la résistance de la coque. Ça m'a coûté 450 crédits. Vous avez plusieurs niveaux de... d'amélioration.
Alors, est-ce que je me mets là? Ça va gêner personne. Température. Ah, par contre, oui. Ah, bah si, je peux charger. Allez, on tente. Appuie des vitres. Ah, bah alors, étouffé. On va aller voir ce qu'il y a. Alors, faut y ramener un par un. À moins qu'il y ait une caisse, on peut en mettre dedans. Je ne sais pas. Par contre, là, je prends des risques. Hein. Franchement, là. Est-ce qu'il y a une caisse? Ah, il y a un bidon. Il y a un truc là. Et là-bas. L'essence, on la met là-bas. On remonte avec RT, la gâchette. J'ose pas trop aller plus loin. C'est juste pour vous montrer, tant pis. Que si une tempête là, allez, on va s'arrêter là. Il restait un truc, tant pis, c'est pas grave. Ah, la pile là, elle est usée. J'en garde toujours une petite usée pour le scaphandre. Justement, j'ai pas besoin de mettre des piles pleines, ça sert à rien. Heureusement que j'entends qu'il y a le feu. je sais plus ce que je voulais faire. Non, le scaphandre, c'est bon. Ok, il est chargé, il est déjà allumé. Oh là là. Pas de panique, 20. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a-t-il un camion ici qui va se... Ouais, j'ai bien fait pour y retourner, hein. J'aurais cramé. Oui, mais c'est pas très académique, je veux bien vous croire. Ouais. Personne derrière. Ah, mais encore un lancement. Encore un saut à faire. Ah ouais. Et ils m'ont fait passer par où eux? Bon bah écoutez. Oh pop 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 pop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là. C'est Fafan. Alors, au fait, j'ai... Alors, petite info. Alors, ça a confirmé. Bon, à la scan road trucker, bon, c'est pas évident, hein. Je sais pas trop ce qu'ils font ces temps-ci. Je voulais vous refaire une vidéo, mais pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Alors, soi-disant qu'ils ont eu l'accord pour faire road trucker 2. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils avaient parlé que Road Trucker allait être une licence, donc soi-disant. Alors, c'est pas encore en développement, mais ils ont l'accord d'éditeur, je pense, pour faire un Road Trucker. Voilà. On en saura un peu plus par la suite.
Et ouais, voilà, il y a encore la tempête solaire. Oh. Un mental. J'espère qu'il y a un camion derrière, je suis sorti de l'autoroute, mais puis là on voit pas l'avertissement, proximité de débris. Ouais, mais bon, si vous me le mettez en plein dans le nez, moi je suis prévenu, mais. Il y a des petits cailloux là, mais bon, j'ai du mal à savoir ma position. Bon, je vais m'en prendre. Hein. Voilà, bah ouais, c'est pas grave. Plus, puis un deuxième. Non, c'est bon. Ah, c'est autre chose, hein. Ça fait dur, celle-là. Dégagez le caillou. Je sais qu'il y a un gros problème. Et ça fait vraiment baisser votre oxygène. Donc on va y retourner. Tant pis. Espérons que. J'aurais dû attendre, j'aurais pas dû avancer, il y a le temps. Mais bon, on est toujours pressé un peu par le temps parce que ben voilà, l'énergie baisse du camion, mais bon, on fait des conneries, donc ça. Trouver le juste équilibre. Ah. Pas rebondir. Bah, on m'aurait vu réparer des camions. Voilà. Bon, est-ce qu'on va arriver à la finir? Je sais pas. Oh non! Laissez-moi passer! Ouais, lui, il a 3. Il en a 3 de conteneurs. Oh là là, bah là, hey. On est lundi, là, il y voit les magasins, là. Il est des P5 Pro. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont l'acheter, hein, honnêtement. Alors, moi, le prix m'a pas choqué, en fait. Il a la 800, c'est ça, 699, c'est bon. Parce que, bon, il y en a qui disent, oh bah, j'aurais pris s'il était au même prix. Bah non, ils vont pas la mettre au même prix que la console. Elle fait déjà 550€ maintenant. Sachant qu'un SSD, là il sera un peu plus gros, ça coûte 150€ à peu près en moyenne, en plus cher. Hein. Non, elle m'a pas surpris, après non. Moi honnêtement, le gap en plus, ça vaut pas le coup. Et puis c'est surtout moi ce qui m'inquiète, ça m'inquiète que Sony communique sur les deux prochaines années au niveau jeu, parce que là franchement, c'est pas ça quoi. Franchement là. Enfin bref, c'est le sujet à la mode. Welcome back, LJ. You're not space bacon. Ouais, ouais, on... must have worked. Oui, nickel. Oh, oui, c'est super. Here's coordinates bien, for a drop near my workshop. Eh ben, je suis bien content d'être sorti de cet enfer. Ah, c'est pour finir, hein, quand même. Musique pour me calmer. En fait, on rage pas hein, dans le jeu, hein, non du tout. Hein. Vous voyez, regardez l'oxygène que j'ai changé il y a pas longtemps, la gravité, ça se vide vite. Hein.
Bon, là, j'ai un peu de sous. Donc, ça devrait aller. Je vais continuer avec cette partie. Puis, je verrai jusqu'où je peux aller. Alors, j'éviterai peut-être les bichons qui vont ici, là. Dans la zone où il y a des éruptions solaires. Mais je vais tenter, je vais rester comme ça jusqu'à une mise à jour et puis équilibre un peu plus. Ils avaient dit hein, les cellules énergétiques, les filtres. Petit problème d'équilibrage. C'est pas grand chose hein. Pas grand chose pour qu'on soit vraiment. Parce que c'est le mode recommandé, donc normalement il doit être jouable. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, surtout quand on fait des boulettes comme moi, ça. Après il y a le joueur aussi qui est mauvais. Hein. Après, il y en a qui vont moins vite, prennent plus de temps. Donc, j'ai peut-être tendance à aller trop vite à certains moments. Et là, attends, je vais regarder, j'ai 5000 crédits. Et je crois qu'ils vont rien me donner, il me semble que j'avais fait. Hein. Première fois sur la première partie. Mais c'est une catastrophe, hein. J'ai plus de filtre, j'avais plus rien. J'avais plus de sous, j'ai plus rien. Je suis pas trop au rasmote là parce que moi j'ai tendance à être un peu trop. Non, c'est bon. Désolé si je joue avec les vues, mais des fois ça aide un petit peu. Je peux encore. Allez. Voilà, et je gagne rien du tout. C'est triste. Ah bah de rien. Ouais. Ah ouais, Darkside. Donc c'est un nouveau système. On peut aller, qu'on a débloqué. On n'y est pas passé. C'est vrai que c'est assez sombre. Les développeurs nous ont montré qu'il fallait faire comme ça. Il a raison, c'est sympa. C'est qu'on leur donne un coup de main. Bon, c'est vrai qu'ils m'ont ils m'ont fait une amélioration, ok. Donc j'ai fait un service gratos, quoi. Mais bon, j'aurais aimé un peu de sous quand même. C'est dommage. Donc là, il y a des lumières de partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah la coque, ça on sait. Ça, c'est mon scaphandre. Je vais pas rallumer, faut que je le rallume. Allez, hop, on va s'accrocher. Voilà, 44 minutes déjà la vidéo. Bon, ben, ça m'embête. Tout usé quoi. Alors là, il n'y a pas de filtre, voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. J'y disais. Bah là, j'ai plus du tout d'énergie. 75 crédits, vous voyez. Bon, voilà. Puis en plus, c'est le usé. Donc je m'en rends du tout. Vous voyez là, on y va une fois, on quitte. Et puis hop. On va retourner là. Donc 750 75 pour 1000 crédits. Là vous pouvez acheter des fournitures et les revendre sur les produits chimiques. Vous gagnez, si vous les vendez à une zone où il y a des produits chimiques, vous les vendez plus 14%. Donc faut faire le calcul quoi. Mais voilà. On se fait une petite marge, mais pas beaucoup, quoi. Donc, moi, j'ai acheté mes pilules.
J'aurais dû allumer ma cabine, mais non, je l'ai pas allumé. On peut les faire tomber, mais ça va les abîmer un petit peu. Alors, mais moi, franchement, j'adore. C'est bon, pour ceux qui me suivent, vous avez parlé un peu de ce que j'attendais d'un jeu de camion, mais je pensais pas que c'était un jeu qui allait se passer dans l'espace, en fait. Mais il y a tout ce que je veux, quoi. Où on bouge, tout ça. On a un truc à gérer. Heureusement qu'ils ont pas mis la nourriture, hein, parce que dis donc, ça aurait été encore plus compliqué. Et voilà. Puis il y a même un petit scénario. Donc, voilà, c'est vraiment bien. Après, ça aide, j'ai pas beaucoup avancé depuis que le jeu est sorti, parce que comme j'ai recommencé, ben... Là, bon, on va essayer d'avancer un peu plus, voir ce que ça donne, essayer de résister. Et je pense que là, ben, je vais essayer de tenter une mission... On fait un peu de sous et réparer ma coque. Merci le camion. Mais bon, j'ai été très mauvais sur le. Ça, on va dire. Je suis pris des. Je pense que quand il y a des éruptions solaires, vaut mieux arrêter son camion au pire et attendre. Je pense que c'est bien mieux que de risquer d'abîmer sa coque. Parce que c'est pas évident. Donc voilà pour la vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne envie d'y jouer. Donc pour l'instant, hein, il est que sur PC, Xbox Series X et S. Hein, et il n'est pas encore annoncé sur les autres consoles. Ils le diront quand autant le voilà quand ils l'auront fait. Ils auront déjà bien bossé sur ces deux versions. Sachant qu'il y a une autre version qui ressemble à ce jeu, qui est référencée sur le Play Store, mais qui n'a rien à voir avec ce jeu, puis c'est marqué pour 2026. Donc, si vous voyez un jeu où c'est marqué Space Truck Simulator, c'est pas du tout celui-là. Hein. Mais bon, il est loin d'être sorti, c'est un jeu low cost, quoi, qui copie un peu les autres jeux. Donc, méfiez-vous, mais bon, vous ne pouvez pas l'acheter vu qu'il n'est pas encore fait. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye. Mal. Il est foutu, j'aurais dû le vendre, je vais le vendre. Allez.